1977 United Artists movie. And this movie won the Academy Award for Best Picture in 1977. This one's a Woody Allen movie as well. Who he has a really huge career, like a really big, really prolific career. And himself, he actually won two Oscars for this movie. One for Best Director and the other for Best Original Screenplay. I'm told this movie won over 4 Academy Awards, including Best Picture, obviously. Although recently, Woody Allen has stirred some controversy over one of his marriages, but I'm not going to get into that. C'est une vieille histoire. Deux mamas juives du troisième âge prennent le verre dans les Catskills. La première dit « Mon Dieu, ce qu'on mange mal dans ces auberges de campagne !» Et l'autre ajoute « Oui, mais par contre, c'est pas copieux du tout. » Eh bien, moi, c'est exactement comme ça que je vois la vie. Un monument de solitude, de misère, de souffrance et de malheur. Et en plus, il faut bien dire que ça passe comme un déjeuner de soleil. L'autre blague importante pour moi, c'en est une qu'en général on attribue à Groucho Marx, mais elle serait plutôt de Freud dans le mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient. Ça donne un truc dans genre, je paraphrase. Not sure if this is a Quebec dub or a European dub or not. Qui souhaiterait m'avoir moi pour membre. Cette blague est la clé de ma vie d'adulte au niveau de mes rapports avec les femmes. Oui, I think this is European. Je ne suis plus tout à fait moi-même parce que je viens d'avoir 40 ans. Il me semble que je traverse une crise. Enfin, je ne sais pas. Remarquez, je veux bien vieillir. Je ne suis pas de ceux qui s'accrochent. Non, je sais bien, ça commence à se dégarnir là-haut. Mais franchement, ce serait me chercher la petite bête. Je crois que je vais embellir en avançant en âge. Je crois que je vais devenir le type même du mâle viril et chauve. Exactement l'antithèse du séducteur autant argenté classique. Ou peut-être ni l'un ni l'autre. Je serais peut-être un de ces vieux bavoteux filets de salive au coin de la bouche qui battaient la semelle dans les années 30, le cabas à la main en se faisant les apôtres du socialisme. Annie et moi, on a rompu, et ça, je n'arrive pas à m'y habituer, rien à faire. Je repasse dans mon esprit jusqu'au moindre détail de ma vie avec elle, j'en fais l'examen complet pour tenter de découvrir où on a bien pu se faire baiser, parce que il y a à peine un an, nous nous aimions, c'est vrai, et c'est marrant parce que je ne suis pas amoureux, je ne suis pas non plus un dépressif, non, J'ai été un gamin raisonnablement heureux, je crois. J'ai passé mon enfance à Brooklyn pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il me fait une dépression. Tout à coup, il veut plus rien faire. Pourquoi es-tu déprimé, Alvie? Dis-le au docteur Flicker. C'est venu après une lecture. Tu as fait une lecture, hein?